Aujourd'hui, on fait appel à vous pour financer le tissage de deux tapisseries qui auront vocation à rejoindre la tenture Tolkien. Cette tenture Tolkien, elle est réalisée dans le cadre de l'opération Aubusson Tisse Tolkien avec le soutien de la famille Tolkien. Les Tolkien se sont dit que le médium idéal pour mettre en valeur le volet graphique de l'œuvre de leur père et beau-père, c'était la tapisserie. Je ne peux pas m'empêcher à croire qu'il y a quelque part une fraternité d'esprit entre mon beau-père et les gens qui font ces tapisseries. L'esprit de la tapisserie, son art se prête si bien à la tapisserie parce que dans son esprit, il se trouvait quelque part artisan. Je suis dessinatrice cartonnière et je travaille sur le projet Aubusson Tisse Tolkien. Ici, vous pouvez voir le carton qui a la taille de la tapisserie. Le carton, en fait, sera placé sous les fils de chaîne et servira de guide au lissier pendant tout le temps de la réalisation de la tapisserie. Pour pouvoir passer, en fait, de la taille de l'illustration de J.R. Tolkien, qui est un format plus petit que celui-ci, un format A4, un format comme celui de la tapisserie à venir, qui est un format beaucoup plus grand, puisque là, on est presque à 10 mètres carrés. Il y a tout un travail d'interprétation. On est en immersion complète dans les illustrations de J.R. Tolkien. Et ce travail, cette collaboration cartonnier, teinturier, lissier et la famille Tolkien donne à l'univers de Tolkien une autre dimension. Je suis en formation depuis déjà un an et demi pour apprendre à être lissière. J'ai découvert cette formation par le biais de Tolkien parce que je connais cet univers et je me suis dit il y a de l'avenir dans cette voie et ça travaille la laine, le dessin, tout ce que j'aime. J'ai eu l'occasion de travailler sur la tapisserie Christmas 1928. C'était une super expérience et j'espère après la formation pouvoir en tisser d'autres par la suite. Tolkien has one wonderful line in one of his books in the Silmarillion about, you know, the story of the world is put into tapestry for everyone to see. So it's really a lovely link between Tolkien and the tapestries. Dans ce lieu unique qui est la Cité internationale de la tapisserie, on développe avec ce projet Tolkien un projet unique. C'est-à-dire que autour de l'héritage de J.R.R. Tolkien, qui est très important, on réalise des œuvres d'art sous forme de ces tapisseries tissées à la main. Et ces tapisseries tissées à la main qui vont rentrer dans nos collections et qui vont être diffusées dans le monde entier, elles vont être là pour toujours puisqu'elles sont dans une collection publique. Et donc, à travers cette démarche de crowdfunding, vous prenez part à toute cette aventure qui est tout à fait exceptionnelle.